Parmi les cultures autorisées pour couvrir les champs laissés en jachère, l'artiste a fait son choix en fonction de couleurs. Là, je suis quand même content du résultat. Quoi. Par rapport à l'année dernière, je trouve que c'est nettement plus voyant. Parce que l'année dernière, c'était un petit peu sur une butte. Et c'est vrai que d'avion, on voyait quelque chose de bien. Ou du bord de route, on voyait pas vraiment un dessin. Alors que là, ça tape vraiment. En plus, tout est vert parce qu'autour, il y a des bois. Ouais, ça ressemble. Et puis, c'est une parcelle, on la voit de partout. On la voit de mes rues, on la voit un petit peu de partout. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on faisait. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens, ils m'ont dit, bah tiens, vous avez encore loupé une culture. Ouais. Comme c'est une jachère, bon, le travail, là où il y a beaucoup de travail, c'est au semi, c'est une journée. Et puis après, ben, on n'est plus passé pour mettre de l'engrais ou des produits de traitement, des choses comme ça. Donc ça, après, il n'y a plus de travail. Hein. Et sinon, qu'est-ce que tu vas faire du champ d'ailleurs? C'est-à-dire que tu vas le griller, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Ben, normalement, c'est une jachère, donc la loi nous impose de la détruire avant qu'il y ait des montées à graines. Donc, c'est-à-dire que là, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a deux types de cultures. Il y a déjà de la moutarde qui est à graines, ouais. Et de passerelle qui est en fleurs. Donc je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, on va ou le broyer ou le brûler chimiquement pour pas qu'il y ait de graines. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'il y en a sûrement une des deux qui va griller plus vite que l'autre. Donc il y aura des différences de couleurs, je pense.